Alors, je m'appelle D'Angelo94 et je fais du rap et je suis activiste. Voilà. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bah, parce que c'est quand même une cause humanitaire. Et voilà, moi pour moi ça me paraît logique d'être là. Il y a du barium, de l'aluminium. Tous les jours ils nous balancent ça sur la tête. C'est officiel, on en parle dans tout ce qui est traité européen. Les députés ils en parlent. Voilà, maintenant ça fait 10 ans qu'ils nous balancent ça sur la tête. Faut juste se réveiller quoi. Faut changer le monde. Voilà. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout, en quelques mots, est-ce que vous pouvez expliquer le phénomène? Alors, des chemtrails en quelques mots, bah, c'est contrôle climatique. Par procédé chimique. Donc, ensuite, dedans, il y a du barium, ce qui accentue la sécheresse des sols, parce que le barium, ça aspire l'humidité. En gros, ils accentuent le problème climatique avec ça. Donc, déjà ça, et comme je le dis, sur un point de vue santé, voilà, sur un point de vue santé, c'est énorme. Enfin, je vous mets une main dans Tchernobyl, vous allez me crier au scandale. Donc, là, c'est Tchernobyl sur nos têtes, crier au scandale, quoi. Donc, voilà. Et quels sont les documents ou les films peut-être que vous avez vus qui vous ont éveillé sur le sujet? Alors, réveillé, c'est des amis qui m'ont juste dit « regarde le ciel ». Et pendant un moment, comme tout le monde, en fait, j'étais crédule. En plus, j'habite pas loin d'Orly, donc des avions, j'en vois toute la journée. Et à un moment donné, je me suis dit « c'est plus possible, en fait ». C'est pas juste de temps en temps une traînée et basta. C'est des fois, c'est on voit plus notre ciel, c'est du quadrillage. Et à partir de là, bah, c'est une sensation d'agression, quoi. On se sent agressé. Donc, au début, c'est des gens qui m'en ont parlé. Après, le premier vrai reportage, c'est Bye Bye Blue Sky. Voilà. Et après, bah, y a eu la conférence au Parlement européen, il y a eu des députés qui en parlent. Voilà. Et parmi les avions qui survolent justement Orly, vous voyez la différence entre les traînées classiques et les traînées chemtrails? C'est un autre monde, hein. C'est un autre monde. Déjà, quand on est près d'Orly... Ce que je veux dire, c'est que toutes les traînées ne sont pas des chemtrails. Ah non, pas du tout. Déjà, en étant près d'Orly, les avions, ils sont bas. Donc à la base, il n'y a pas de condensation. Donc les seules choses qu'on voit en condensation, c'est vraiment les hautes altitudes. Et quand on voit déjà sur d'autres routes, parce que bon, ils ont des routes bien précises, les avions... Quand on voit que c'est d'autres routes qui n'ont rien à voir, qui se croisent, que c'est la fête chez mamie, eh ben on sait que c'est pas des avions d'Orly, de Roissy, ça n'a rien à voir quoi, ça n'a rien à voir. Faut juste observer, en fait c'est une question d'observation. Vous vous posez 2 heures à regarder le ciel, vous voyez tout de suite la différence de vous-même. Il y a quelque chose qui tombe et vous voyez que c'est lourd, il y a quelque chose qui disparaît dans l'atmosphère. Donc à partir de là, voilà, la condensation, c'est de l'humidité, ça disparaît rapidement. Des métaux lourds, ça n'a rien à faire dans le ciel, ça disparaît pas. Voilà, donc à partir de là, il y a un scientifique que j'aime bien qui dit, alors je me rappelle pas de son nom, j'ai du mal avec les noms, qui dit que quand vous marchez en hiver, c'est de la condensation qui sort de votre bouche, quand vous marchez sur des kilomètres, vous n'avez pas une traînée de kilomètres derrière vous. Donc faites la différence entre métaux lourds et condensation, et puis voilà, en fait, les choses sont claires, on va dire. Merci. Voilà, bah, bonne journée, bon courage à vous.